départ. Et c'est parti. Oh, ça patine. Ça patine très fort pour Sylvain Pussier qui a été obligé de se rabattre très très vite pour éviter que Nathan Biel lui grille la pole position. Oui, il a bien fait de fermer la porte hein, parce que Nathan Biel était superbement bien parti. Il aurait pu lui griller la pole position. Je vous le disais, il va falloir surveiller Nathan Biel qui ne va rien lâcher tout au long des 5 tours de cette finale. On va surveiller si Louis Rousset remontait à la 3e place juste devant Emmanuel Moinel. Ensuite, on va retrouver Clémentine Lost et Margot Laffitte. Super départ hein, de Sylvain Pussier, mais j'ai pas eu le temps de vous le dire, mais dans l'échange qu'il y avait avec les mécaniciens, ils lui ont tout de suite dit de se rabattre évidemment à l'intérieur de la trajectoire, c'était logique, et il y avait du grip, et donc voilà, mais c'est magnifique. Ah oui, et puis Nathan Biel qui était très très bien parti aussi, et malgré cela, eh bien, on va avoir, je pense, la seconde traditionnelle du premier tour dans cette finale, à l'avantage de Sylvain Pussier. Voilà, une seconde 6 même d'avance pour Sylvain Pussier devant Nathan Biel, Louis Rousset, Emmanuel Moinel, Clémentine Lost et Margot Laffitte. C'est le passage ici des pilotes de cette super finale. Dernière course de la journée que vous suivez avec nous, avec un Sylvain Pussier qu'on ne peut pas empêcher aujourd'hui d'aller chercher la victoire. Il l'a dit, il n'a pas encore gagné cette saison et vous l'avez entendu, hein, c'est l'objectif du jour. Il reste encore Philippe 3 tours et Nathan Biel est là. Emmanuel Moinel est bien placé. On a vu Clémentine Lost aussi qui était à l'attaque Emmanuel Moinel. Et Sylvain Pussier peut-être en course pour le Grand Slam, parce qu'il a gagné la première manche, il a gagné la deuxième manche. Pour l'instant, il a le record du tour. Il est en train de faire le Grand Slam, Sylvain Pussier. Voilà, comme dirait Bernard Laporte au rugby, pas de faute, pas de faute, pas de faute. C'est exactement ça, Thierry. Pas de faute, pas de faute. Et pendant ce temps-là, Emmanuel Moinel s'est un petit peu débarrassé de la pression que mettait sur lui Clémentine Lost. Et que j'ai l'impression, par contre, que Louis Rousset se rapproche légèrement. Voilà, oui, ils sont ensemble. Nathan Biel et Louis Rousset, vous les avez à l'image ici, la voiture aux couleurs du PC, qui est suivie vraiment, allez, une demi-seconde par Louis Rousset. Louis Rousset dans le bouclier arrière. Il va même tenter une attaque. C'est chaud. C'est chaud dans cette finale alors que Margot Laffitte est au ralenti un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez donc les effets hein, dont nous parlait tout à l'heure Olivier Pernaud, de la puff, c'est-à-dire de ce brouillard de neige. Ce sont les embruns émis par les voitures et bien sûr les pneus sur cette glace super vive, avec pour l'instant une belle bagarre là entre ces deux pilotes. Oui, c'est Nathan Biel et Louis Rousset. Nathan Biel et Louis Rousset, c'est le duel du jour, alors que Sylvain Pussier a pris de l'avance et qu'aujourd'hui, maintenant, à un tour de l'arrivée, il est en position de réaliser ses objectifs, Philippe. Oui, puisqu'on voit aussi, c'est que la bagarre entre Nathan Biel et Louis Rousset, elle est en train de profiter à Emmanuel Moinel. Parce qu'Emmanuel Moinel, regardez, il se rapproche, Emmanuel Moinel. On aperçoit les phares. On aperçoit les phares là-bas. Il est en train de se rapprocher, Emmanuel Moinel, puisque la bagarre fait perdre un petit peu de terrain entre Nathan Biel et Louis Rousset. Ça avantage aussi Sylvain Pussier. Toujours avec le record du tour, Sylvain Pussier en quête du Grand Chelem. Il rentre dans le dernier tour. Voilà, Sylvain Pussier, dernier tour. Et derrière, regardez la bagarre, toujours entre Nathan Biel et Louis Rousset qui est revenu. Non, il a perdu un petit peu de terrain, Emmanuel Moinel, mais Louis Rousset, il ne va rien lâcher. Il lui reste un tour pour tenter d'aller prendre la deuxième place de cette finale, Louis Rousset. Peut-être à la sortie de l'escargot ici. Non, il est un petit peu loin. La remontée maintenant, l'épingle à gauche du centre du circuit. Peut-être une tentative, c'est maintenant qu'il va se rapprocher. Le virage à gauche en dévers, il peut peut-être se rapprocher un petit peu là. Ah non, il est trop loin, il ne va pas pouvoir réussir, même s'il tente tout, là il a freiné très tard. Mais Nathan Biel continue à garder sa place de deuxième. Et pendant ce temps-là, il arrive, il va franchir la ligne d'arrivée en grand vainqueur de cette super finale, c'est Sylvain Pussier. Où est-il Sylvain? Il va surgir du brouillard dans quelques secondes. L'homme de l'I-208, le voilà. Et Sylvain Pussier victoire qui va s'imposer. Victoire de Sylvain Pussier. Alors là, on va avoir droit à un tour d'honneur. Bravo. Oui, devant derrière. Nathan Biel, Laurent Rousset au freinage. Ah, Emmanuel Moinel et Clémentine Lost. Ah, super, c'était chaud derrière. Et superbe victoire donc de Sylvain Pussier. Et je vous confirme le grand chelem de Sylvain Pussier. Victoire en première manche, victoire en deuxième manche, victoire dans la finale et record du tour. Voilà, monsieur.